Nil est pogonophile. Rassurez-vous, ce n'est pas une maladie, une passion plutôt, un mode de vie entièrement dévoué à la barbe. C'est depuis que je suis très petit, ouais, peut-être 4-5 ans. J'avais déjà un oncle qui était barbu et ça m'impressionnait. Je trouvais qu'il dégageait une virilité. Je sentais chez lui voilà, chanter une assurance, quelque chose comme ça. Je me suis dit peut-être que c'est sûrement à travers ça. Et ouais, je crois que c'est par là que ça m'est arrivé. Le jeune homme va participer au championnat de France de barbe, une consécration. Au vu du caractère, de la densité et de la couleur de votre barbe, vous avez été présélectionné. Je vais pouvoir être avec des gens qui sont comme moi, qui aiment la barbe. On pourra parler de barbe, tout ça, échanger, voir ce qui se fait, les nouvelles tendances, des trucs que je ne suis pas au courant. Comme un sportif de haut niveau, il se prépare. Alors osons le dire, Nil est un candidat au poil et se coupe les cheveux en quatre pour sa toison qui lui demande quand même 2 heures d'entretien par jour. On visualise un peu un train un peu droit, enfin, ça dépend des gens. Moi, c'est ce que je fais régulièrement comme forme. Et puis, j'y vais. Tout doucement. Quand je sors de la douche et que j'ai la barbe mouillée, je mets ce baume-là. Tout ça tous les jours. Ça permet d'hydrater et de conserver l'humidité. C'est important que la barbe soit humide parce que quand elle est sèche, c'est là que le poil casse et que ça pousse plus bien après. Fan de la première heure, Audrey, fière de son mari. Moi j'aime bien, je veux dire, le toucher, j'adore des fois papouiller sa barbe quand on est tous les deux. Ses crèmes, elles sont super bonnes, donc c'est très agréable aussi, à défaut de penser que c'est sale ou ce genre de choses. Nil est l'unique candidat de la région Nouvelle-Aquitaine à participer à ce concours organisé à Paris le 9 juin. Il rêve désormais de créer un club des barbus charentais. Il n'y a que les barbus qui savent c'est quoi ça.